Nous approchons de la fin de ton voyage, gardienne. Tu es presque en communion avec le bâton. Tu es prête à continuer? Je suis prête. Allons-y. Déjà de retour? Allez, Théa. Je sais que je ne suis pas restée longtemps dans l'Animus, mais ça ne pouvait pas attendre. Je me suis demandé si je devais ou non te laisser poursuivre. J'ai la réponse, mais j'ai peur qu'elle te déplaise. Ne me dis pas que je ne peux pas entrer dans la troisième simulation. Désolée, Layla. Je me suis trompée dans mes calculs et je t'ai intégrée alors que c'était une erreur. C'est clair, maintenant. Il est temps pour toi de quitter l'Atlantide. Tu n'as pas le droit. Pas maintenant! J'ai vu l'Élysée et les Enfers. Tu ne peux pas me priver de ça. Si j'avais su que cette réalité emprunterait cette direction, tu n'aurais rien vu de tout ça. Tu es trop humaine. Ton ADN a succombé au pouvoir corrupteur du bâton. Écoute, je sais que l'effet de transfert est réel et qu'accéder à la mémoire de Deimos m'a affectée. Mais j'ai étudié les artefacts Issou. C'est la dernière étape de mes épreuves. Quand elles seront terminées, mon ADN pourra surmonter l'emprise du bâton. Peut-être. Mais cela n'arrivera pas. Mes simulations te sont fermées. Je suis désolée, Aletheia, pour tout ce qui s'est passé. Tu as mis tellement d'espoir en moi. C'est vrai, oui. Mais c'est seulement ma faute. Je n'aurais jamais dû te laisser emprunter ce chemin. Non, c'est faux. Tu avais raison. Tu as vu une chose en moi. Que c'était à moi d'apporter l'équilibre. Et je peux encore le faire, tu sais. Même si j'acceptais de te laisser entrer, tu n'as plus de médecin. Si je pouvais annuler sa mort, je le ferais. Mais je ne peux pas. Et il faut que je continue. D'après ses calculs, ton corps ne sera pas capable d'endurer les simulations. Mon corps va bien. Le bâton a maintenu Cassandra en vie des milliers d'années. C'est une garantie de protection. Ton esprit est une autre affaire. Tu n'es pas en mesure d'en évaluer la dégradation. Si tu y réfléchis bien, le bâton soigne, Aletheia. Il pourrait augmenter mon intelligence, ma maîtrise. Me rendre invincible. Aventureuse comme hypothèse. Laisse-moi la vérifier par moi-même. S'il te plaît. Vas-y. Merci, Aletheia. Tu ne le regretteras pas. C'est parti. Je te retrouve à l'intérieur.
Cela suffit. Inutile de crier. Tu n'es pas chez toi, mon frère. Hadès n'a plus rien à t'offrir. Tu n'es pas destiné à rester ici, ni dans l'Élysée. Tu n'étais pas à ta place sur Kefalonia, et tu ne l'étais pas plus à Sparte. Je peux t'offrir un lieu où tu seras chez toi. Il est temps que tu le découvres. L'Atlantide t'attend. N'importe quoi sera mieux que ça. Je ne l'oublierai pas. Non! Tu n'as pas besoin de ça ici. Tu ne crains rien. On m'a déjà dit ça. Cet endroit est différent de ceux que tu as visités. Pas de Perséphone, ni d'Hadès. Il y a toi. Rien que moi, le Dicaste Basileus, grand arbitre de toute l'Atlantide. Mais pour toi, je suis Poséidon. Ce que je t'offre, gardienne du bâton, c'est une place à mes côtés. Rejoins-moi en tant que Dicaste. Bienvenue chez toi. Cet endroit est la véritable Atlantide. Je veux dire, elle est intacte. Je croyais que cette ville avait été détruite. Tous les 7 ans, si elle est jugée imparfaite, notre grande cité entame un nouveau cycle. Et qui en décide ? Avant ton arrivée, ce choix m'était réservé. Maintenant que je t'ai à mes côtés, j'entends que ce cycle dure une éternité. Si tu es le Dicaste Basileus, tu aimerais que je sois... Dicaste, juge. Que tu rendes et appliques la justice pour moi dans l'Atlantide. Alors, je préfère te prévenir, il m'arrive d'avoir tort. Ce que tu as fait aux enfers m'a surpris et suscité mon admiration. Par tes choix, des fortunes ont changé de main. Mais j'ai surtout découvert que tu plaçais la justice au-dessus de tout. C'est Hadès qui t'a parlé de mon bâton. Il n'a pas eu à le faire. Ton périple, comme celui de tous les héros, est devenu la trame d'une légende atlante. Alors tu sais que ce bâton est la raison de ma présence. Je dois apprendre à le maîtriser. Cette contrée est un paradis de pouvoir pour les détenteurs d'appareils issous. Mais une chose à la fois. Alors tu veux que je vive parmi vous? Ma place serait auprès des dieux? Les dieux? Nous sommes bien plus que la notion humaine de dieu. Ton père nous appelait ceux qui étaient là avant. Mais, comme te l'a dit Aletheia, nous sommes les Issous. Tu es au fait de mon bâton, de Pythagore et d'Aletheia? Ça ressemble à de la surveillance. Tes épreuves dans l'Élysée et aux Enfers, non, tes prouesses là-bas, sont bien connues de nous. Mes épreuves m'ont poussé à la rébellion, obligé à affronter les morts. Cela ferait de moi une bonne Dicaste. Nous ne choisissons pas toujours notre voie, mais dans le cas présent, ton sang a choisi pour toi. Tu combines les 2 formes d'ADN, le meilleur des humains et des Issous. Je suis sûr que tu constitues notre avenir commun.
C'est un honneur. Qu'est-ce que je dois faire? Les humains disposent de 5 sens pour évaluer ce qui les entoure. Nous avons la chance d'en avoir un 6e, le savoir. Ah non, ça dépasse ta vision d'aigle. Ce sens dort actuellement en toi, mais il peut être éveillé dans l'Atlantide. Ton bâton n'est pas une simple clé. C'est une passerelle entre celle que tu es et celle que tu dois devenir. Et en éveillant entièrement ce 6e sens, je maîtriserai le bâton? Oui, mais plus encore. Viens, je vais te montrer. J'ai accédé à des sources de pouvoir dans l'Élysée et aux Enfers. Elles ont accru mon savoir, je crois, mais n'ont rien changé à mes sens. Dans l'Atlantide, les sources qui éveilleront ton nouveau sens seront bien plus concentrées. Ton savoir ne se contentera pas d'augmenter, il s'épanouira. Tu trouveras 3 de ces sources en quittant le palais. Tu les connais sous le nom de Vision de la Gardienne. J'ai l'impression que personne ne peut passer. Ce passage est fermé à ceux qui n'ont pas pleinement accès à notre savoir. Trouve la source de ce savoir dans le palais. Ensuite, essaie de passer. Bonjour, Leia. Alethea ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Il fallait que j'intervienne. Je ne pouvais pas t'arrêter physiquement, mais je pourrais peut-être y parvenir par des moyens techniques. Non, je gère. Reste en dehors de ça. Mais j'ai l'impression que le bâton devient une partie de moi. Je crois que je commence à comprendre. C'est comme si je pouvais percevoir les souvenirs des Issou et leur sagesse. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire en parlant de sources plus concentrées. Je me sens différente. Bien des choses sont différentes ici, Dicaste. Tu le découvriras le moment venu. L'Atlantide t'attend. Mais il est une règle qui s'impose à toi. Nos technologies ne doivent pas être employées sur les humains. Leur corps ne peut supporter un tel pouvoir. Les Issou le savent bien. Alors... je peux y aller? Quelle sera la première tâche de la Dicaste? Même l'Atlantide n'est pas une société parfaite. Elle a besoin d'équilibre. Sois cet équilibre lorsque tu auras rempli ton rôle de guide pour les populations. La perfection viendra peut-être. Ne t'inquiète pas, tu as déjà acquis mon respect, ce qui est une épreuve en soi. Dicaste,
Son éminence Atlas te prie humblement de venir le retrouver à Sadoma, afin de discuter d'une question importante. Très bien. Je me rendrai à son invitation. Son éminence ? Il y a plus de rois ici qu'à Sparte. Te voilà! Je suis honoré que la Dicaste ait accepté mon humble requête. Oh! Tu dois être Atlas. En personne! Je te remercie d'être venu me voir, car tu dois être très occupé. Le fardeau que t'a confié mon père est fort pesant. Ton messager a dit que c'était urgent. D'une grave urgence, oui. Eh bien, je suis là. Il s'agit de mes frères, les Archontes. Ils ont des soucis avec les populations humaines qu'ils dirigent. Les tensions entre humains et Issou vont croissant. Si on ne rétablit pas l'ordre, cela empirera. Je vais tâcher d'user de ma position pour les aider. Va voir Gadiros, Enferès et Azaès. J'espère que ton exemple leur enseignera les bienfaits de la discipline, dont ils manquent amèrement. Tu espères que mon aide permettra de maintenir la paix entre humains et Issou? C'est bien l'idée. Poséidon aurait dû savoir qu'il n'était pas prêt à assumer les responsabilités d'Archonte. Hélas. Parle-moi de Gadiros. Je suis sûr que tu le trouveras près de la reine, occupé à préparer son prochain exaltant spectacle. Que dois-je savoir à propos d'Enferès? Il doit être en train de terroriser la population près de la doma fortifiée d'Autochtonos. Essaie de ne pas le surprendre, il est assez nerveux. Que dois-je savoir à... Il doit être en train de terroriser la population près de la doma fortifiée d'Autochtonos. Tu peux me donner quelques informations sur Azaès? Tu trouveras Azaès là où une aide humanitaire s'impose. J'ai entendu parler de troubles près de la doma d'Enferès. Là d'où je viens, il y a aussi des Archontes. Est-ce qu'ils jouent le même rôle? Les nôtres sont chargés de superviser les humains de l'Atlantide afin qu'ils aient une vie paisible. Une tâche dont ils sont incapables de s'acquitter. Apparemment, il y a toujours des frictions entre populations. C'était la même chose aux Enfers, et dans l'Élysée. Le temps passe, et les tensions s'intensifient. J'espérais que mon père arrangerait cela, mais la situation s'aggrave dans l'Atlantide, et tout le monde refuse de voir ce qui se passera si personne n'agit. Je vais aller voir ces Archontes, et m'assurer que ces questions sont réglées. Thank you.
Qu'est-ce que c'est? Un message? Azaès est à la fois médecin et archonte. Qu'est-ce qui m'a échappé? Que faut-il faire? Azaès? Tu m'as l'air en difficulté. Dicaste, quel plaisir de te voir. Et les plaisirs sont rares ces temps-ci. Tous ces malades. Comment un fléau peut-il se propager dans un endroit aussi avancé que celui-ci? Je sais, oui. Malgré tous mes efforts, impossible de guérir les patients ou d'arrêter l'épidémie. J'en ai déjà perdu tellement. De quand datent les premières victimes, d'après toi? Du début de ce cycle. Cela a commencé lentement, quelques cas isolés. Et je ne me suis pas méfié. Mais les cas sont devenus chaque jour plus nombreux. Plus il y avait de malades, plus l'épidémie se propageait. Tu sembles vraiment inquiet. Tu as déjà vu une maladie de ce genre? Non. Depuis le début de ce cycle, les anomalies se multiplient. Les plantes meurent. D'étranges animaux et insectes prolifèrent. Je me demande ce que ça veut dire. Ne t'en fais pas. Nous trouverons un moyen de juguler ce mal. Dis-moi ce que je peux faire. Eh bien, un chercheur du nom de Consus mettait au point un appareil. Il cherchait à guérir rapidement les blessures et à éradiquer les maladies. Cherchait ? Son appareil a disparu. Des savants ont essayé de le reproduire, d'après des croquis. Mais il en est encore au stade expérimental. Et il n'a pas été testé sur des humains. On ignore donc s'il fonctionne. Ce n'est pas le plus grave. Poséidon a formellement interdit l'emploi de nos technologies sur les humains. Si l'on n'agit pas très rapidement, je crains que l'épidémie ne s'étende à toute l'Atlantide. Si tu penses que cet appareil peut aider les malades, je vais te le rapporter. La sagesse d'une Issou et la compassion d'une humaine. On a bien fait de te nommer Dicaste. Écoute, tu trouveras l'appareil dans l'un des laboratoires des archives de Consus. L'appareil que veut Azaès doit être à l'intérieur.
tous. Un appareil Issou, qui ne ressemble pas à ce que j'ai pu voir. Cette boîte. Mon corps me démange de partout. Il doit y en avoir d'autres ailleurs. La forge de l'Atlantide. On peut l'utiliser pour fabriquer des armes. Il faut que je trouve cet endroit. Je ne vois pas comment ce tissu brillant va soigner les malades. J'espère qu'Azaès sait ce qu'il fait. J'ai apporté le tissu brillant que tu voulais. C'est en réalité un nanorégénérateur de matière. Et donc tu l'as. C'est incroyable. Bien.
Voyons de quoi cette chose est capable. Oh ! Azaès, mais qu'est-ce que tu as fait ? Je croyais l'avoir étalonné comme il faut. Non, c'est pas vrai. J'ai tué ce pauvre humain, l'appareil ne fonctionne pas, et tu as enfreint les ordres de Poséidon en le volant. Qu'est-ce que nous allons faire ? Cet appareil est dangereux. Ce n'est peut-être pas pour rien que Poséidon l'a interdit. Je crois que tu ne devrais plus t'en servir. J'étais rempli d'espoir, mais tu as raison. Cet appareil n'est pas prêt à être utilisé sur des sujets vivants. Je n'ai fait qu'ajouter de la douleur et de la peine. Pour certaines choses, les appareils et l'intellect ne servent à rien. Même les Issou n'ont pas solution à tout. J'imagine qu'il vaut mieux que je rapporte cet appareil au laboratoire et que je m'efforce de réconforter les malades jusqu'à leur mort.